Bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau jeu disponible en démo sur Steam, Mr. Prepper. Il s'agirait de survivre dans sa maison pour prévenir de la future apocalypse qui va arriver sur Terre. Le jeu a eu de très bonnes critiques, donc on va tout de suite aller découvrir de quoi il en est. Voulez-vous jouer le tutoriel? Non, on va découvrir comme ça. À l'arrache, allez. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Donc visiblement, Mr. Prepper cherche à quitter ce monde, quitter cette ville. Mais le gouvernement lui en empêche. Oui, très bien. Nous sommes de retour à votre demeure. Ah, donc nous n'avons plus de voiture. Très sympa les petits panneaux sur la gauche. Ici, là-bas, là-bas, quelque part. Bon, très bien. Alors visiblement, on est chez nous. Il va sûrement falloir qu'on prévoie de construire quelque chose pour s'enfuir d'ici. Mais il faudra faire attention parce que notre ami viendra inspecter notre maison tous les jours. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite barre. 33 sur 100, préparation. 32 sur 100. Ok. La barre d'endurance, la barre de vie, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter la maison, voir un peu ce qui se passe. Je peux m'asseoir dans mon petit canapé? Non. Ok, on va visiter un peu la maison. Ah, j'ai ouvert mon placard, il y avait de l'argent. Ok, on va le prendre. J'ai maintenant 60 de monnaie sur moi. Il y a des choses dans mon frigo, hein. Il y a de la soupe, du chou, des carottes et des navets. Très bien, on va laisser ça au frigo. Je pense que c'est sa place. Placard de cuisine. Et on a une porte derrière. Diesel, huile, essence. Votre préparation est basse, oui. À quel sujet, monsieur? Ah. Tout a ralenti, je ne me sens pas suffisamment préparé. Qu'est-ce qu'on a dans cette caisse? Ah. Il faut peut-être aller dormir, c'est ça que vous voulez me dire? On va aller dormir. Ah, d'accord, clic droit. On va faire une sieste. Ce qui revient d'une tentative d'évasion. Allez, visiblement, la préparation remonte. Ok, je sais pas à quoi correspond ce chiffre. Ok, alors pour la santé, peut-être qu'il faudrait manger quelque chose. On va aller voir en bas. Oui, ma préparation est basse, j'ai bien compris. J'aurais peut-être dû faire le tutoriel, hein, mais j'aime pas faire les tutoriels. J'aime bien tout découvrir par moi-même. D'accord, ajoutez quelques ingrédients crus et faites chauffer. Jusqu'ici, tout va bien. Et voilà, à manger. Ok. Sais pas ce que j'ai fait. Ok, on va prendre une soupe alors. On peut faire des choux et des navets. Prenons les choux.
Elena et carottes. Tiens, navet, chou, carottes. On va tout faire cuire. On va se faire une petite soupe. Voyons voir. Maintenant, je suis là. Alors, très bien. Soupe de légumes. Ah, il faut de l'eau. D'accord. Ah, ça devient intéressant. Ah. Oui. Soupe de carottes. Il faut de l'eau. Alors, où est-ce que je vais trouver de l'eau? Où est-ce que... Bah, dans l'évier, Arnaud. Voilà, j'ai pris de l'eau sur moi. Ok. Donc je peux maintenant faire des soupes. On va faire une petite soupe de légumes qui m'a l'air assez sympathique. D'accord, la préparation a encore augmenté. Et on a fait une soupe. Alors on va manger cette soupe. Voilà. Et ça nous redonne de la vie. Ok. La base est là. Alors qu'est-ce qui se passe? En bonne condition, vous êtes bien nourri et bien reposé, votre préparation ne diminue pas et vous travaillez plus vite. Ok. D'accord, on commence à comprendre. Ok. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Donc j'ai l'air d'avoir un établi ici. Une poubelle, je pense qu'il va falloir creuser un tunnel hein, pour pouvoir travailler. Ouh, y a du courrier. Allons voir le courrier. C'est donc le moment de faire du commerce. Ah. Ah, on peut faire une commande. D'accord. Je vais prendre la lettre. Donc c'est ici, si je vais ici, je peux faire du commerce. D'accord. Alors Sergueï. Ok, c'est qui Sergueï? Qu'est-ce qu'on peut lui acheter à Sergueï? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux lui vendre aussi des trucs. Ah, du métal. D'accord. Et je peux lui vendre aussi des choses. Ok, très bien. Établi niveau 1, il faut du métal et du bois pour le construire. Équipement, compétences, ouh, ça a l'air assez complet quand même. Ici on a... Ah, c'est l'heure, d'accord, 20h26, d'accord, ce fameux chiffre. C'est l'heure, ok, j'avais pas capté. Ça c'est bien, mode construction. Ok, très bien. Bon, c'est la nuit. C'est peut-être mieux de travailler la nuit du coup. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je pourrais pas creuser un trou sous mon tapis? Si je prends le tapis avec moi. Ok, j'ai mon tapis sur moi. Je cherche, hein. Je découvre. Aller là-bas voir ce que c'est, ça c'est l'atelier. Ok, il peut courir en cliquant deux fois sur le... Ouais, ça c'est ce que j'ai sur moi. J'ai mon tapis. Ne laissez personne regarder sur le tapis. Ah, si je le démonte, je peux avoir du tissu. Ok. Alors. Et dans la caisse, là, j'ai rien. Facile à démonter. Bon, on va la démonter. Alors, comment je vais dans mon inventaire? Mon inventaire est là. Ok, la caisse, on va la démonter. Non, il veut pas. Ah, sur l'atelier, peut-être. D'accord. Sur l'atelier, et là j'ai la caisse, je peux démonter la caisse sur l'atelier. Ok, parfait. J'ai maintenant du bois. J'ai récupéré 10 de bois. La poubelle, qu'est-ce qu'on peut faire de la poubelle? Ah, c'est pour jeter les déchets. Je vais jeter la lettre de... La lettre, elle ne me sert à rien, non? Bon, on verra ça plus tard. Là-dedans. Ok. Y a rien pour stocker du carburant. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il nous faudrait une pelle peut-être pour commencer à creuser. Est-ce qu'on n'a pas une pelle quelque part? Je vais aller fouiller mes placards un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Appât de base pour des pièges. Ok, je vais les prendre.
Qu'est-ce qu'on a ici, calendrier? Preparation start. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'inspection, d'accord. Là-dedans, il n'y a rien. Ok, on avait déjà fouillé tout à l'heure. La plante. Vous devriez aller dormir. Bah non. Somnolent. Bon bah ok. Alors laissez-moi juste regarder un peu ce qui se passe. Tiens, il y a un bouquin là-haut qu'on peut... Ah, il y a des bouquins qu'on peut lire. Il y a un tapis là-haut. Ok. Un peu la hotte de cuisine. Je peux tout prendre. Hein. Donc, j'imagine que je peux... Ah ouais, voilà, pour récupérer du métal et du plastique. Bah, je vais la prendre, la hotte, on en a pas besoin. L'inspecteur va me demander ce qui se passe, non? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Boîtron de verte, on va la prendre. On va en mettre un peu d'or. Ça, c'est quoi? La boîte à cookies. Ouais, on va la prendre aussi. Placard de cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Des graines de carottes, d'accord, on peut planter. Ok. Ok, il y a plein de boîtes là-haut, donc je pense qu'on va pouvoir tout démonter. Placard de cuisine. Ok, bon, on va aller dormir, parce que visiblement, il faut que j'aille dormir. On va bientôt s'évanouir. Alors, qu'est-ce que c'est les livres qu'on a ici? Ah, ça rapporte du bois. Ok, bon, on va dormir. Allez, dormir.